Bonjour à toutes et tous. Je vous file encore un petit zapping. Les peuples d'Afrique ont vécu une terrible violence du fait colonial avec des morts, des expropriations, extraction des territoires des hommes noirs, des privations de liberté et surtout une négation profonde de la dignité humaine par la domination politique, économique et culturelle. Depuis plusieurs jours, en Nouvelle-Calédonie, c'est la crise. Le peuple résistant Kanak, les indépendantistes, ont décidé de faire brûler la plantation coloniale française. En face d'eux, les forces de l'ordre françaises, mais surtout une milice ultra armée et en civil, œuvrant pour l'État français, tire à bout portant sur les Kanaks, la population originelle de l'archipel, laissant des corps sans vie dans les rues. Comme on le voit sur ces images, ils sont régulièrement ravitaillés et travaillent étroitement avec les services de sécurité français. Les mouvements de résistance indépendantiste ont réagi au vote récent de l'Assemblée nationale française, ouvrant la possibilité aux récents résidents de la Nouvelle-Calédonie, majoritairement blancs et venus de la métropole, de pouvoir être élus et de participer aux élections dans l'archipel, dans le but de matérialiser davantage la politique de colonisation de peuplement qui est imposée en Nouvelle-Calédonie par l'État français. Dans cette émission, nous n'appellerons pas cet archipel Nouvelle-Calédonie, mais Kanaky, par respect pour les résistants indépendantistes à qui nous envoyons la plus grande force, la plus grande détermination dans leur lutte souverainiste. Pour comprendre la colère plus que jamais justifiée des Kanaks, il faut comprendre l'histoire de ces îles depuis l'arrivée des Français en 1853. L'État français qui maintient la Kanaky sous occupation depuis 170 ans. Dès leur arrivée, les Français ont fait écraser la majorité des terres sacrées et les cultures locales vivrières et traditionnelles du peuple Kanak. Ils les ont fait écraser avec leurs troupeaux de bovins qui ont absolument tout ravagé. Rapidement, les Kanaks ont été interdits de circuler et de vivre où ils le voulaient et des réserves ont été créées afin de les cantonner uniquement à certains endroits restreints du territoire. Environ 60 000 des plus de 80 000 Kanaks présents dans l'archipel avant l'arrivée des Européens, ont même été déportés en Australie en 1860 pour être employés de force sur les plantations sucrières, stratégie initiale et perdurante de l'État colonial français afin de réduire drastiquement le nombre de locaux sur les îles et de les remplacer par les Blancs, par les Français. Il faut comprendre que la Kanaky, la Nouvelle-Calédonie, occupe une place stratégique cruciale pour la France qui, dès les années 1850, a voulu asseoir sa présence dans ce coin du globe déjà sous domination des Britanniques et des Néerlandais. Aujourd'hui, ce sont les Chinois et les Australiens qui contrôlent la zone avec les Français et même si les États-Unis sont un peu moins présents pour le moment, dans quelques années, ils seront également particulièrement présents dans la région. La Kanaky, c'est 1,4 million de kilomètres carrés. Si vous, population noire d'outre-mer, sous domination française, vous pensez un seul instant que la France veut vous garder par amour ou vous considère réellement comme des citoyens français, comprenez plutôt que sans les 10,2 millions de kilomètres carrés de surface maritime très stratégique que vous représentez avec les Antilles, la Réunion ou encore l'île comorienne de Mayotte, la France ne serait pas la deuxième puissance maritime mondiale. Grâce à vos territoires et à vos eaux, la France peut faire des essais nucléaires, asseoir sa puissance militaire et ses bases d'écoute d'espionnage, sans parler de l'exploitation de toutes les ressources, notamment halieutiques, ainsi que tout ce qui est produit dans ces colonies. Oui, il s'agit bien de colonies, ne donnons pas d'autres qualificatifs, ce serait juste de l'hypocrisie et un syndrome de Stockholm aigu. Vous l'avez compris, sur Afrique Résurrection, on n'a pas vocation à vous caresser dans le sens du poil. L'idée, c'est de regarder nos réalités multiples et complexes bien en face pour changer le système. La Kanaky rapporte à la France sa plus grande base militaire du Pacifique. Perdre la Nouvelle-Calédonie, perdre Kanaky, ça signifierait pour la France perdre une position de souveraineté majeure, mais aussi beaucoup d'argent. Parce que notamment un quart des réserves mondiales de nickel se trouve à Kanaky. D'ailleurs, c'est grâce à ça que la France en est devenue le cinquième producteur mondial. Peuple Kanak, est-ce que vous avez capté votre force? Est-ce que vous avez capté votre potentiel? Comme avec le Niger et son précieux uranium, dont la perte pique la France comme jaja. Il faut que le peuple Kanak puisse récupérer sa souveraineté et au passage donc son potentiel économique, parce que c'est plus une option face à ce génocide par substitution qui prend de plus en plus de vitesse aujourd'hui. Pour que vous compreniez mieux l'état d'esprit de la France, voici un extrait de 1972 dans lequel Pierre Messmer, premier ministre français, écrivait à son secrétaire d'État au Dom Tom.
les dom-toms, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer. La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure multiraciale, est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants. Il faut donc saisir cette chance ultime de créer un pays francophone supplémentaire. La présence française en Calédonie ne peut être menacée, sauf guerre mondiale, que par une revendication nationaliste des populations autochtones, appuyée par quelques alliés éventuels dans d'autres communautés ethniques venant du Pacifique. À court et moyen terme, l'immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements d'outre-mer devrait permettre d'éviter ce danger en maintenant et en améliorant le rapport numérique des communautés. À long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. Il va de soi qu'on n'obtiendra aucun effet démographique à long terme sans immigration systématique de femmes et d'enfants. Aujourd'hui, les Kanaks représentent 41% de la population de Nouvelle-Calédonie, de Kanaki. Ça explique donc les résultats des 3 référendums d'autodétermination réalisés sur l'archipel en 1998, en 2018 et en 2021. Des référendums qui avaient pour but de savoir si les habitants de l'archipel souhaitaient accéder à l'indépendance et à une totale souveraineté. En 2021, en plein Covid, les indépendantistes ont appelé au boycott du vote, au vu des mauvaises conditions. Ce qui rend en réalité les résultats totalement caducs en termes de qualité et de réalité démocratique. Ça ne reflète en fait pas du tout les désirs de la population kanak. Plus de 90% des votants, majoritairement blancs, non kanak, ont voté contre l'indépendance du territoire. Tiens donc. Par contre, on voit bien que lors du référendum précédent, celui de 2018, sur 169 000 votants au total sur l'île, 43% ont voté pour l'indépendance de l'île. Alors quand on sait que, sur ces 169 000 électeurs, 92 000 sont non kanak et que 77 000 électeurs le sont, on arrive bien à un quota de près de 100% de Kanak qui ont voté pour l'indépendance de la Kanaky. L'invisibilisation des Kanak, tant voulue par Pierre Messmer et son pays, dont les politiques étrangères montrent bien leur barbarie et leur niveau de déshumanisation en Afrique et dans ces colonies appelées départements et territoires d'outre-mer, cette invisibilisation, marginalisation de la population locale, cette colonisation de peuplement, est bien en marche depuis l'arrivée des Français il y a 170 ans. Bien en marche également en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, où les terres reviennent aujourd'hui de droit aux Africains qui l'ont majoritairement labouré, cultivé, soigné, élevé depuis 500 ans. Bien en marche à La Réunion, cette île qui, comme la Kanaky, devait aussi servir entre autres de terre pour caser les bannières de la France. Et c'est donc dans ce contexte historique et actuel que ce 14 mai 2024, l'Assemblée nationale française a voté pour la révision constitutionnelle en faveur de l'élargissement du corps électoral. Ce qui permet donc l'inclusion des populations blanches de la métropole française récemment résidant en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, ce qui leur ouvre donc l'accès au vote et à l'éligibilité. La CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, réunissant des militants et des syndicats indépendantistes très proactifs dans l'archipel, tient un rôle majeur dans ces manifestations. Mais c'est véritablement la jeunesse kanak qui s'est levée ces derniers jours. Qualifiée évidemment par les médias mainstream français de groupuscules mafieux et isolés dans le but de minimiser leur impact et leur légitimité, on connaît déjà ces merdias, la CCAT publiait ce 14 mai dans un communiqué les propos suivants. L'État français qui détient le droit de la violence légitime imposée au peuple kanak depuis la prise de possession dans la souffrance a envoyé les forces de l'ordre pour établir l'ordre colonial sur nos terres. Les exactions commises sur les commerces, les sociétés, les bâtiments, les équipements publics n'étaient pas nécessaires, mais ils sont l'expression des invisibles de la société qui subissent les inégalités de plein fouet et qui sont marginalisés au quotidien. Nous demandons à nos responsables politiques de défendre coûte que coûte nos acquis hérités d'une longue lutte du peuple kanak à l'accession à notre pleine souveraineté. Ce combat est noble et il concerne tous les citoyens de notre pays. Nous condamnons fermement les propos colonialistes tenus par Gilles Brial qu'il propage sur les réseaux en donnant l'illusion d'avoir le monopole de la démocratie. Nous interpellons l'État sur la présence des milices loyalistes qui agressent nos gens sur le terrain avec la caution des forces de l'ordre. C'est une violence inouïe, scandaleuse de la part de la police, de l'armée française et de cette milice sans foi ni loi qui tire directement dans la tête des manifestants. L'État français, qui nous parle constamment de démocratie en voulant donner des leçons aux uns et aux autres, a également réduit le débit Internet sur l'île. En ces temps qui sont particulièrement durs pour la Kanaky, nous nous devons d'honorer les résistants des insurrections contre les Français, toutes celles qui ont eu lieu dans l'archipel depuis l'arrivée des Français. On honore aussi Jean-Marie Tchibaou, leader du mouvement indépendantiste kanak, que les courageuses
et les courageux de ce combat soient mis en valeur. Que les Kanaks reprennent leur indépendance et leur pouvoir en Nouvelle-Calédonie. Que ceux et leurs descendants qui ont pu trahir leur peuple à un moment donné en se mettant au service de la France, acceptant de se faire soudoyer en tuant notamment Ataï, le symbole de la résistance Kanak, puissent être pardonnés et prennent la force de lutter dans l'unité auprès des leurs. 170 ans de présence française ne peuvent en aucun cas anéantir 5000 ans de présence et de civilisation kanak dans la région, tout comme la barbarie coloniale et esclavagiste des Occidentaux principalement et des Arabes ne peuvent en aucun cas anéantir nos civilisations africaines. Bandeko, levez-vous, battez-vous, soyez déterminés et surtout, ne laissez jamais personne vous achetez. Cette insurrection, retransmise en direct sur les réseaux sociaux, est dirigée selon les autorités par Christian Malanga, un ancien officier, politique et homme d'affaires installé aux États-Unis, qui affirme lutter depuis des années contre le régime de Félix Tshisekedi. Félix, you out! Félix, dégage! Un peu plus tôt dans la nuit, lui et ses hommes ont tenté de pénétrer dans la résidence de Vital Kamerhe, grand favori au poste de président de l'Assemblée nationale et ancien chef de cabinet du dirigeant Tshisekedi. L'attaque a fait 3 morts et plusieurs blessés. L'armée congolaise affirme que la situation est désormais sous contrôle. Une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces des défenses et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ont été mis hors d'état de nuire, leur chef y compris. Selon l'armée congolaise, le fils de Christian Malanga qui assistait son père pendant l'assaut, ainsi que plusieurs ressortissants. Des panaches de fumée qui s'élèvent de bâtiments détruits, des affrontements violents dans les rues. Entre manifestants et forces de l'ordre. Illustration du chaos qui secoue la Nouvelle-Calédonie depuis le début de la semaine. L'archipel est en proie à une crise politique, identitaire, mais aussi économique. En 2023, près d'un Calédonien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et le taux de chômage atteint les 34% chez les moins de 25 ans. Au cœur de cette crise économique, l'industrie du nickel, véritable poumon de l'économie locale. Il y a quelques années, nous avions eu l'autorisation de filmer dans la plus vieille mine du monde, celle de Thio, exploitée depuis 1880. L'archipel détient entre 20 et 30% des ressources mondiales, un trésor considérable. On se trouve là devant une brèche nickelifère. Il y a une vraie tradition minière en Nouvelle-Calédonie. Donc à Thio en particulier, c'est une longue histoire. On vit avec la mine autour de soi. Elle fait partie du paysage depuis toujours et de l'économie. Ici, les mineurs à la pioche ont été remplacés par ces engins appelés dumpers qui creusent la roche de 3h à 21h. Une exploitation intensive pour un minerai devenu essentiel. On le trouve dans les batteries, sur les véhicules hybrides. Les fameuses batteries lithium-ion, les vieilles inox de votre cuisine, dans les blocs opératoires, dans les moteurs d'avions, dans les pompes de fusées. Tout ce qui est industrialisation et haute technologie ne peut pas se passer du nickel. Une explosion de la demande, mais alors comment expliquer la crise du secteur néo-calédonien ? En cause, le prix volatile du nickel et la concurrence mondiale. Le prix de la tonne a chuté de 45% en 2023. Pour le moment, c'est encore une entreprise française qui exploite la mine de Thio. Mais les difficultés financières attisent depuis longtemps les convoitises. Moi, je sais qu'une chose, c'est que quels que soient les systèmes, la nature elle a horreur du vide. Donc, quand la place est libre, il y a toujours quelqu'un qui vient s'y mettre. Le nickel est fondu, affiné, traité ici à Nouméa, dans l'usine de Donombo. Principale richesse, le secteur pèse 10% du PIB de la Nouvelle-Calédonie et représente le premier employeur privé de l'archipel. Pour les indépendantistes, l'économie générée par le nickel représente une source de financement viable pour devenir une nation autonome. Mais l'industrie est sous perfusion financière depuis 2016
700 millions d'euros d'aides ont été apportés à la filière. Notre industrie traverse une crise, il faut au contraire qu'on la finance et on a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir traverser cette crise. Donc on voit bien qu'on ne peut pas financer l'indépendance du pays avec l'industrie du nickel puisqu'elle-même mérite d'être financée. Depuis des mois, des discussions sont en cours entre le gouvernement et les autorités locales autour d'un plan d'aide massif pour la filière. Des discussions houleuses. Avant même l'explosion de colère de ces derniers jours, les indépendantistes avaient exprimé leur opposition au projet du gouvernement. Alors, question Philippe de Sertine de Alain dans le Val-de-Marne. Pourquoi le prix du nickel baisse-t-il malgré leur besoin grandissant des batteries, le besoin grandissant des batteries? Parce qu'on a eu des producteurs mondiaux qui sont arrivés massivement sur le marché. On l'a vu tout à l'heure dans la carte, dans le reportage, on a évoqué les Philippines, surtout l'Indonésie est arrivée très très fort sur ce marché parce qu'en effet, on a les perspectives... 50% de la production mondiale à l'Indonésie. C'est maintenant. Ça, exactement, qui est arrivée de façon massive sur le marché et qui a fait s'effondrer les cours. Sachant que, on l'a dit aussi dans le reportage, on a eu des fluctuations très très fortes. Même on a eu, on va dire, une micro-crise, enfin une espèce de crise sur les marchés financiers incroyable à Londres en quelques secondes sur les cours du nickel qui ont marqué beaucoup les traders. C'est vraiment un des endroits dans lequel, du point de vue financier, on a eu les fluctuations les plus importantes. Donc là, on a d'énormes producteurs mondiaux qui arrivent pour concurrencer notamment la filière néo-calédonienne, parce que effectivement, la Calédonie, c'est un espèce de caillou de nickel incroyable. C'est un gisement, on a vu, hein, c'est vraiment à ciel ouvert, donc facile d'extraction, etc. Mais malgré tout, avec des coûts élevés par rapport à nos concurrents internationaux, par rapport aux Philippines, à l'Indonésie. Évidemment, là, la question qui se pose, c'est si un jour la Nouvelle-Calédonie était indépendante, pour arriver à redevenir compétitive, il faudrait qu'elle ait une énorme baisse de ses coûts, c'est-à-dire une énorme baisse, évidemment, des salaires versés, hein, c'est-à-dire du niveau de vie. On est vraiment dans cette problématique, là, typique de tous les métaux rares en ce moment. Donc, on a une explosion de la demande associée aux batteries, associée à tout le sujet, c'est-à-dire aux voitures électriques. Et quand, tout à l'heure, je crois, Thomas Porcher, vous avez évoqué les terres rares, qui sont très importantes, qui sont produites massivement par la Chine. Il y en avait autrefois à La Rochelle, par exemple, en France. Oui. On a tout arrêté parce qu'effectivement, c'était une pollution absolument énorme. Ah, oui, mais donc là, on est avec typiquement, effectivement, un secteur sur lequel vous avez des fluctuations énormes. Vous avez un coût qui est relativement élevé associé à notre côté, on va dire, occidental par rapport à la carte qu'on a très bien vue. On a vu que c'est l'Asie hein, qui produisait massivement. Et donc, point d'interrogation, comment on fait? Il faut investir, investir massivement. Thomas Porcher, là encore, c'est... un aspect, une partie sur laquelle on est en faiblesse, nous les Occidentaux, oui, mais sur l'accès à ces matériaux très importants. On les voit, ils sont bien partout sûr. Dans les batteries, les avions, les salles opératoires, etc. Tout à fait, mais Philippe Dessertine a pointé du doigt quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que nous ne pourrons jamais avoir les mêmes coûts d'extraction que la Chine, que l'Indonésie. Et je veux dire, nous ne pourrons jamais avoir les mêmes coûts de production. Je veux dire, on a parlé de la voiture électrique. Alors la voiture électrique, certes, la Chine a un avantage technologique. Et ça, c'est inquiétant, qui explique moi, pour moi une partie, enfin certains disent la moitié même des écarts de compétitivité. Mais même si nous avions la même technologie qu'eux, nous ne pourrions pas produire des voitures au même coût. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut aussi interroger dans la concurrence mondiale. Et d'ailleurs, la Chine est beaucoup pointée du doigt sur les normes sociales et les travailleurs qu'elle emploie, mais aussi les normes environnementales. Si on rentre dans une compétition uniquement sur les coûts, nous allons perdre. Et là, la Calédonie, aujourd'hui, a des coûts d'extraction trop élevés, des coûts de raffinage du nickel qui sont trop élevés parce qu'elle a un coût, elle a des normes sur le travail, des règles environnementales à respecter, ce qui font qu'elle ne pourra jamais concurrencer l'Indonésie. Sylvie Matelli, si on veut retrouver la souveraineté, par exemple, pour fabriquer une voiture électrique, est-ce qu'il va falloir rouvrir la mine de La Rochelle, là, dont vous parliez tout à l'heure ? En terre rare. En terre rare, pour avoir accès à ce cobalt, à ce lithium, à ce nickel indispensable sur les technologies propres. L'évidence nous pousserait à dire oui, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que sur les matières premières, Philippe l'a très bien dit, vous avez une volatilité des prix qui est énorme. Donc, vous ne pouvez pas garantir que ça va permettre aux extracteurs, en fait, de vivre de leurs extractions. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il est presque, il est beaucoup plus avantageux d'aller acheter des minerais ailleurs. Il y a la question essentielle, c'est aussi la question du raffinage, on en parlait. C'est que pour raffiner, vous avez vu dans votre reportage, ça, c'est tout rouge.
C'est-à-dire un caillou, on le fait chauffer très très fort, avec beaucoup beaucoup d'énergie, et quand on importe son énergie, ben, l'énergie est extrêmement coûteuse, et à la fin, vous sortez un produit qui est extrêmement cher. Donc, c'est quoi votre souveraineté? Votre souveraineté, est-ce que c'est de pouvoir vous offrir ce raffinage-là, ou alors, ben, aujourd'hui, d'aller le chercher à l'autre bout de la planète, en sachant que peut-être un jour, ben, vous en serez privé, parce que vous serez en conflit commercial ou autre avec la Chine. Le sujet est extrêmement compliqué. Quand on n'est pas souverain, on est dépendant. Quand on n'est pas souverain, on est dépendant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens? C'est la vraie question. Est-ce qu'on a les moyens de s'offrir? Et je ne parle pas que de questions financières. Les moyens, c'est aussi est-ce qu'on a les moyens d'extraire de manière propre? On a des règles sociales, des règles environnementales qui s'imposent à nous. Et au-delà de ces règles-là, vous avez aussi des citoyens qui ne veulent pas voir au bout de leur rue ou à côté de leur village. On a vu la mine de c'est nickel. C'est ça. Réouvrir ces mines qui sont extrêmement. Quand vous prenez un caillou, il y a du nickel, mais il y a aussi des sulfates, il y a des tas de composants qui sont extrêmement dangereux, extrêmement polluants. C'est pour ça qu'on a fermé nos mines en Europe. C'est pas du tout parce que on s'est dit oh, on veut plus de mineurs dans nos pays. On a fermé nos mines parce que ça polluait, que ça n'était plus toléré par la population. Ce jour est un jour de honte pour le peuple français. En Nouvelle-Calédonie, les forces de l'ordre ont lancé un assaut contre les preneurs d'otages. 21 morts, 19 indépendantistes kanaks et 2 militaires. Il y a malheureusement une minorité d'extrémistes, de terroristes, qui ne croient qu'en l'assassinat, qu'en la violence, qu'ils sachent qu'ils ne trouveront pas au bout du chemin la réalité de ce qu'ils souhaitent. Tous les anciens colonies françaises ont payé le prix qu'il a fallu pour leur liberté. Nous parlons de peuples qui se posent la question du vivre ensemble, de la responsabilité de la République. Ceci restera, dans l'histoire de la République et en Nouvelle-Calédonie, une tache noire sur le récit français. Nous sommes le 22 avril 1988 sur l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie. Ce jour-là, des militants indépendantistes attaquent la gendarmerie de Fayawe. 4 gendarmes sont tués, 27 autres sont pris en otage. Un homme lutte entre la vie et la mort. C'est le gendarme le plus grièvement blessé. Il a 3 balles dans la tête. Avec lui, 3 Mélanésiens, eux aussi atteints par balles, à l'abdomen et aux jambes. Ils faisaient partie du commando. Cette affaire ravive les passions à la veille des élections. Dimanche, les Néo-Calédoniens sont appelés aux urnes, à la fois pour l'élection présidentielle et pour les élections régionales. Dans les années 80, la Nouvelle-Calédonie connaît plusieurs mouvements sociaux revendicatifs pour tendre vers les indépendances. Et la Nouvelle-Calédonie souhaite... Une partie, notamment le peuple kanak, souhaite dans les années 80 avoir son autonomie, voire son indépendance. Et vont naître des débats complexes entre des populations européennes de Nouvelle-Calédonie, qu'on appelle les Caldoches, et les Kanaks qui vont revendiquer à travers un mouvement, le FLNKS, quelque part leur indépendance à ce moment-là. Les gendarmes pris en otage sont divisés en 2 groupes. Le premier groupe se dirige vers le sud de l'île, il finira par se rendre quelques jours plus tard. Mais les otages du second groupe, eux, sont emmenés dans une grotte située au nord de l'île. Un dirigeant du FLNKS a dicté les conditions de leur libération qui passent par une annulation d'élections régionales, une discussion sur un référendum d'autodétermination et un retrait des forces de l'ordre de l'île d'Ouvéa. Si nos conditions ne sont pas satisfaites, c'est le gouvernement qui prend la responsabilité. Dans les jours qui suivent la prise d'otages, les tensions montent entre le gouvernement français et les militants indépendantistes. Le gouvernement ne peut pas accepter que l'on blesse, que l'on tue des gendarmes ou qu'on les prenne en otage. Il n'y a pas d'otage à Ouvéa. Nous disons simplement que des gendarmes sont retenus à Ouvéa. Je ne sais pas qui sont les terroristes, mais ce que M. Ponce n'a pas dit, c'est en arrivant ici, il est arrivé avec un général de corps d'armée. Donc tout simplement, ça veut dire pour nous que le pays est en état de guerre. Le 5 mai 1988, à 3 jours du second tour de l'élection présidentielle, l'ordre d'un assaut est donné pour libérer les otages de la grotte. L'opération Victor ensanglante l'île d'Ouvéa, 19 militants indépendantistes et 2 militaires sont tués. L'assaut décidé depuis 2 jours a été mené par des hommes du GIGN, des parachutistes, des commandos marines et le 11e régiment de choc, unité d'intervention rattachée à la DGSE. Une opération montée à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de la grotte où se cachaient les ravisseurs. Les ravisseurs avaient installé des postes de combat avec une mitrailleuse et des fusils d'assaut FAMAS dérobés à l'armurerie de la gendarmerie d'Ouvéa lors de la prise d'otage. La dignité et l'honneur de notre armée et de notre pays consistaient à trouver les voies et moyens, en tous les cas, pour libérer nos otages dans les plus brefs délais possibles. Dans un contexte extrêmement troublé, vous avez un jeu politique
vous imaginez bien, à la veille d'une élection présidentielle où Bernard Ponce, comme Jacques Chirac, veut pousser au maximum l'intervention de la police à la veille de l'élection pour démontrer qu'ils ont rétabli l'ordre, une ambiguïté avec le pouvoir socialiste et François Mitterrand qui joue un peu double jeu à l'époque, et la situation se termine de manière dramatique. Plusieurs otages seront tués, des Kanaks militants seront tués, des forces de l'ordre également seront tuées. C'est un véritable massacre en finale qui va marquer en profondeur. Marquer en profondeur parce que c'est certainement un des derniers grands moments, avec les événements en Guadeloupe de 67, d'une histoire coloniale, violente, qui d'un seul coup apparaît au premier plan de l'opinion publique. Dans quelles conditions ont été tués les indépendantistes? Une polémique s'engage. Les armes à la main, répond le commandant Le Gorgu du GIGN. Cependant, des témoignages infirment la version officielle. Dans la grotte, les militants du FLNKS auraient refusé dans un premier temps de se rendre, puis trois d'entre eux, dont le chef du commando, seraient sortis vivants, les mains derrière la nuque. Les trois insurgés seront retrouvés morts quelques heures plus tard. On ne sait pas encore aujourd'hui exactement ce qui s'est passé avant l'assaut, qui en fin de compte et comment est pris la décision. Il y avait plusieurs groupes qui négociaient en parallèle. On ne sait pas ce qui va se passer pendant l'assaut en tant que tel, et on ne sait pas non plus ce qui passe dans les quelques minutes qui vont suivre l'assaut. Certains vont accuser les forces de l'ordre d'avoir abattu des preneurs d'otages. D'autres vont expliquer qu'ils auraient été tués lors de l'assaut. En fin de compte, ça reste très opaque. Pourquoi? Parce qu'on reste encore dans un moment, il faut bien l'avoir en tête, d'une violence incroyable. Ouvéa va amener la nécessité de retrouver un dialogue qui s'était perdu dans les années 80. Le drame, quelque part, va provoquer la nécessité d'éviter que la guerre s'installe de manière définitive en Nouvelle-Calédonie. Et c'est toute la force des interlocuteurs de l'époque, aussi bien la Fleur qui représente les Caldoches que Djibaou qui représente les Kanaks, et d'une certaine manière Michel Rocard, qui va être l'homme politique, Premier ministre de François Mitterrand, qui va poser la capacité de reparler et de dialoguer. En juin 1988, ce dialogue aboutit à la conclusion des accords dits de Matignon, qui seront ratifiés au mois de novembre lors d'un référendum. 10 ans plus tard, en 1998, l'accord de Nouméa va plus loin. Il prévoit un référendum d'autodétermination, ainsi qu'un transfert de certaines compétences de l'État français en Nouvelle-Calédonie. Ce qui s'est décidé en 88, puis après en 98, ont posé les jalons de l'histoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont des hommes qui ont accepté de se mettre d'un seul coup à dialoguer autour d'une table pour arriver justement à essayer de construire ensemble, malgré la violence, malgré le poids de l'histoire coloniale qu'ils portaient sur leurs épaules, malgré aussi la difficulté de certains de leurs extrêmes qui les poussaient à, je dirais, à une ultra-violence ou à une guerre civile, d'avoir trouvé la voie de la négociation pour avancer. Nous ne parlons pas de quelque chose de théorique. Nous parlons de peuples qui se posent la question du vivre ensemble, de la responsabilité de la République. Même si c'est à 15 000, 20 000 kilomètres de nous, c'est une histoire française aussi. La France se doit d'être capable, peut-être pour la première fois, d'imaginer une sortie d'une histoire coloniale intelligente, pacifique. C'est complexe, ça ne nous est jamais arrivé. Jusqu'à maintenant, ça se termine toujours mal, les histoires coloniales. Là, il y a quelque chose à chercher pour notre génération actuelle, pour trouver une voie médiane qui puisse entendre tout le monde et puisse trouver une voie du commun par rapport au destin de la Nouvelle-Calédonie. Burkina Faso. Les nouvelles ne sont pas bonnes en ce jour du lundi 20 mai 2024 dans le pays de l'ombre intègre. Les détails dans cette vidéo. Le président de la coalition burkinabé, le capitaine Ibrahim Kaoré, aurait été frappé par un coup d'État. Les détails dans cette vidéo. Mes chers amis, nous vous prions de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails concernant ce coup d'État qui aurait frappé le président de la coalition burkinabé, le capitaine Ibrahim Kaoré. Mais mes chers amis, avant tout de même de commencer, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif. Donc, tâchez de rester courtois, mais surtout poli dans les commentaires. Je crois qu'on peut commencer. Une énième tentative de coup d'État déjouée du côté du Burkina Faso. Le gouvernement du Burkina Faso, issu d'un coup d'État militaire en septembre 2022, a affirmé jeudi avoir déjoué une énième tentative de déstabilisation et lance une craque contre un réseau impliquant des militaires et des civils. Le gouvernement informe le peuple burkinabé que depuis le 13 mai dernier, les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour démanteler un réseau de déstabilisation du Burkina Faso.
indique un communiqué du ministre de la Communication Jean-Emmanuel Ouédraogo. Ce réseau, qui implique aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes, entre autres planifiait de déstabiliser les institutions du Burkina Faso et de mettre un coup d'arrêt brutal au processus de refondation pour la dignité, l'intégrité, la liberté et la souveraineté de notre pays, a-t-il ajouté. Le ministre affirme que des interpellations ont donc été faites. Des entretiens menés avec des analyses techniques sont en cours. Les informations recueillies montrent en suffisance la volonté de subversion et de déstabilisation. Selon lui, la date du 14 mai était projetée par les porteurs de ce projet funeste pour le passage à l'action en vue d'exécuter le plan diabolique qui, immanquablement, aurait fait entrer le Burkina Faso à reculons dans l'histoire, a poursuivi M. Ouédraogo. Selon lui, la vigilance des services de renseignement et de promptitude des forces patriotiques de défense et de sécurité ont permis d'interrompre la mise en œuvre de cette énième tentative de déstabilisation pour réaliser leurs bases besognes. Les individus ont été contactés dans différentes casernes militaires sur l'ensemble du pays afin d'organiser une sorte de mutinerie, a-t-il expliqué, précisant que des organisations de la société civile acquises à leur cause étaient appelées à prendre le relais. Le communiqué affirme que des financements étaient également en cours de déblocage et de transferts depuis l'extérieur. En définitive, il s'agissait de créer des troubles favorables à l'intervention d'un commando venu de l'extérieur. À mesure d'attenter à la vie de plusieurs autorités de la transition et de semer le chaos, selon M. Ouédraogo. Plusieurs enlèvements ont eu lieu ces derniers jours au Burkina Faso, dont celui de l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie, le lieutenant colonel Evra Samba, enlevé à son domicile de Ouagadougou par des individus armés. Selon ses proches, plusieurs autres militaires ainsi que les civils ont également été interpellés, a-t-on appris des sources officielles. Fin septembre, le gouvernement aurait déjà affirmé avoir déjoué une tentative de coup d'État. Le Burkina Faso, dirigé par des militaires issus des coups d'État en 2022, est confronté depuis 2015 à des violences djihadistes attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et aux groupes d'État islamiques. Ces violences ont fait près de 2000 morts, 20 000 morts autant pour moi, et plus de 2 millions de déplacés internes. Donc, mes chers amis, du côté du Burkina Faso, une fois de plus, nous avons eu plus de peur que de mal. Mais nous exhortons beaucoup de vigilance aux autorités burkinabées, car l'ennemi rôde de partout. Et une fois de plus, nous souhaitons que l'ensemble des populations du Burkina Faso puissent se rassembler pour effectuer des grosses séances de prières afin que ces prières protègent le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Car sachez-le, ce dernier est un homme qui a été envoyé tout droit du ciel pour délivrer enfin le Burkina Faso. Et je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce qu'il a fait depuis sa prise du pouvoir en septembre 2022. Nous voyons que le Burkina Faso se démarque et surtout plus se retire de ce fléau qui est le terrorisme. Donc le premier ministre, le président de la transition burkinabé, autant pour moi, le président Ibrahim Traoré, a fait de la guerre contre le terrorisme sa priorité du côté du Burkina Faso. Donc, chers burkinabés, protégeons notre président afin qu'il puisse terminer cette œuvre qu'il a commencée. Car sachez-le, s'il parvient réellement à terminer cette œuvre, nous et le monde entier, surtout plus les Burkina. Sont entrés avant toi dans ce village, sont ou bien l'administrateur qui venait prendre l'argent pour l'impôt,
ou bien le recruteur qui venait prendre les hommes pour l'armée. Aussi le village se méfie. Mais chez les enfants, la curiosité est plus forte que la crainte. Voilà un ambassadeur. Pas très rassuré quand même. Et puis les voilà tous. Ils t'examinent, te détaillent. Attention, ils tirent la langue, l'examen est favorable, tu es adopté. Ils accepteront peut-être de te servir de guide dans leur village. Suis-les. Tu verras des choses très pittoresques, sans doute. Mais peu à peu, tu te rendras compte que ce pittoresque cache mal une grande misère. Maman va se marier. Ses amis l'aident à préparer les briques de pisée avec lesquelles il bâtira sa case. Mais à chaque tornade, la case aura besoin de sérieuses réparations. Ici, les langues et les braves ont leur train, tout comme dans les lavoirs de chez nous. Mais le Niger est à la fois lavoir, baignoire et réservoir d'eau pour la boisson. Le pillage du Nil occupe une longue partie de la journée des femmes d'Afrique. Et elles doivent aussi, bien sûr, comme toutes les femmes du monde, s'occuper de la toilette des enfants. Ici, c'est le salon de coiffure. Côté messieurs, le rasoir du cinéaste fait rapidement l'affaire. Mais côté dame, quelle réussite! Continuons notre visite. Voici le cordier qui tresse à partir de fibres de sisal tous les liens dont se sert le village. Les pêcheurs, comme dans les petits ports de Bretagne, maillent leurs filets. Le tisserand tisse le coton en longues bandes que le tailleur assemblera en vêtements, mais ses pagnes et ses boubous de coton sont souvent insuffisants dans la fraîcheur des nuits d'Afrique. Voici les bateliers qui fabriquent une pirogue en assemblant deux troncs d'arbres creusés. Les clous sont un luxe qu'ils ne peuvent se permettre. Pendant ce temps, les enfants essaient d'imiter les grands, et ils y réussissent parfois. Ou bien ils jouent. Que feraient-ils d'autre? Il y a place dans les écoles d'Afrique noire pour 4% des enfants d'âge scolaire. Juste le pourcentage suffisant pour que l'administration ait des greffiers et les compagnies coloniales des comptables. Les gosses jouent, une coquille d'escargot remplace la toupie. Ou une courge remplace le ballon. Mais c'est là un jeu trop violent pour les sages. Oxford et Toulouse n'ont pas l'apanage du rugby. Et lorsqu'on est bien poussiéreux, le Niger n'est pas loin. Préfères-tu le calme, la paix des champs? Suis ces deux philosophes qui s'en vont rejoindre les gardiens du troupeau.
Là-bas, dans une confortable maison de pierre, monsieur l'administrateur fait la sieste, écrasé de soleil. Mais ici, il faut travailler, suivre le troupeau cherchant pâture dans la brousse. Et tu rentreras le soir au village, à l'heure où les enfants terminent leurs ébats, à l'heure où le muezzin appelle les fidèles à la prière. À l'heure où l'on se groupe sur les rives pour attendre les dernières pirogues. Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Mais ce village a encore de la chance dans sa misère, il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5h du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, deux balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. T'étonne. Les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Markala Sansandang sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. Qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les Noirs reviennent moins chers. Dans les champs de mil, dans les champs de coton, dans les champs d'arachide, les femmes noires, les enfants noirs travaillent. Les revenus de Le Sieur et d'Unilever montent en flèche. Perfectionner l'équipement, à quoi bon? Une machine ferait le travail de 20 noirs, bien sûr, mais 20 noirs à 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine. Alors usons le noir. D'ailleurs, le forgeron est sur place pour réparer les instruments et pour en fabriquer d'autres. Et ses fils peuvent l'aider. Une école? Pas besoin de savoir lire pour faire marcher ce soufflet 16 heures par jour.
Les Noirs travaillent dans les plantations. Les Noirs travaillent dans la forêt. Pour 50 francs par jour. D'Afrique s'accumule. Un proverbe soudanais dit quand le bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier. Quand les Noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est toujours pour garnir le coffre-fort des grosses compagnies coloniales. C'est toujours pour remplir les flancs de ces bateaux qui attendent pour s'en aller chargés de toute la sève africaine. En échange, il faut des volets pour la maison de monsieur l'administrateur. Pas sur la tête, une tête de noir est sale pour un volet d'administrateur. À bout de bras et plus vite. Une péniche de la compagnie s'est échouée sur un banc de sable. Pas besoin de remorqueur pour la déhaler. Les nègres sont moins chers que le mazout. Si l'un se noie ou se fait croquer par un caïman, on donnera 500 francs à sa veuve. Sur les bambous pour 50 francs par jour. Depuis 1946, le travail forcé est aboli en Afrique noire, mais il faut payer l'impôt en argent liquide. Et tu as vu comment l'on traite les villages qui ne peuvent payer intégralement l'impôt. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les Noirs poussent sur les perches, font glisser sur leurs fleuves les chargements de coton sans espoir de vêtements, les chargements de cacao sans espoir de goûter au chocolat, les chargements d'arachides sans espoir d'huile et de savon, les chargements d'okoumé et d'acajou sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation, de cette misère, de ces meurtres collectifs. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la Constitution française, demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales. Demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Le peuple d'Afrique se dresse pacifiquement. Il réclame son dû. Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique réclame. Mais il se heurte à une administration dont même un député MRP, l'abbé Boganda, a dit qu'elle était corrompue, raciste, machiavélique, qu'elle ne représentait pas la France mais commettait des crimes au nom de la France et de la civilisation. Et cette administration colonialiste répondra aux Africains comme elle a répondu aux Malgaches et aux Vietnamiens, par la force, la matraque, la prison, le fusil. Les camions militaires surgissent, semant partout la ruine et la mort. En notre nom, à nous, gens de France. Agboville, Dimbokro, Séguéla, Daloa, Boisflay, Kétékré, des ruines, des rafles, des fusillades et des noms de villes et villages sonnant aux Africains comme des oradours. La police est passée. Des ruines. Des rafles. Des fusillades. Ngobena tué à coups de crosse. Mbogoum assassiné lors d'une perquisition. Marine Guéno morte des suites d'un interrogatoire de police. Et tant d'autres noms de martyrs sonnant aux Africains comme des destiennes d'orves, comme des guimauquets. L'administrateur aux jurés assassine sur son cercle. Le commandant Cuny brûle vif un de ses administrés. La ruine.
des arrestations. Les morts par dizaines. La police passe. Dans la prison de Bassam où croupissent 1000 Africains, Mamba Bakayoko est morte à 70 ans. Morte pour avoir lutté pour que les écoles et les hôpitaux remplacent les cours de prison. Pour que la machine serve à alléger la peine des hommes et non à préparer les voies stratégiques d'une nouvelle guerre. Pour que tous ces gosses puissent vivre en paix, puissent vivre libres et fiers. Mamba Bakayoko est morte pour que le peuple africain puisse connaître enfin le bonheur. Mamba Bakayoko est morte, mais tout le peuple africain a pris place près du peuple de France, dans le grand coude à coude des peuples pour la paix et le bonheur. D'Abidjan à Niamey, de Dakar à Brazzaville, le peuple de France et le peuple d'Afrique sont au coude à coude. Et cette place dans la lutte commune, le peuple africain la tiendra, envers et contre tous, jusqu'à ce que soit gagnée la bataille de la vie. Vous êtes sûr qu'il y aura de la pluie, juste sur la ferme? Absolument certain, mon colonel. C'est beau, l'assurance. Il ne peut pas pleuvoir ailleurs. Non, c'est beau. Sergent, allons-y. Nous sommes prêts, mon colonel. Feu! Où est-ce qu'elle va? Matériel de merde, pourtant. À l'abri! Il va pleuvoir pour combien de temps? 3 jours, mon colonel. Ah, 3 jours. Et là, là, à la ferme, il y a le soleil. J'aurais tant besoin de soleil pour mes rhumatismes. Sortez dehors! Sortez dehors! Là-bas! Ceci est une grenade offensive. Mais non, bande de crétins! Ces trucs-là, c'est pas dangereux, ça fait beaucoup de bruit, un peu de fumée, c'est tout. Bon, pour bien lancer la grenade, faut balancer le bras en même temps que le corps, comme ceci. Bon, à vous. Ah! Qui est-ce qui vous a dit de lancer la grenade? Vous, sergent. Moi, c'est... Vous avez 2 minutes pour la retrouver! Alors, sergent, ça avance? Oh, c'est très dur, mon colonel. Ah, mais je vois, ils en sont à l'épreuve du bouquin printanier. Alors bientôt, vous attaquerez la broderie pour finir par la layette, hein? Non, pas du tout, mon colonel. Non, non, il cherche une grenade. Une grenade? Dites, sergent, j'espère que vous n'allez pas garder pour vous toutes ces jolies fleurs. Pensez un peu à moi, hein? Bye bye. Mon colonel, et la grenade! Cherchez plus, hein? Je l'ai trouvée.